Yo tout le monde, c'est Rex sur I524 et aujourd'hui on se retrouve sur Until Dawn Rush of Blood. Alors aujourd'hui c'est du sérieux, donc on va jouer à un bon jeu d'horreur sur PS4 avec le PlayStation VR. Alors déjà ça commence, c'est hyper glauque, alors je vais vous expliquer ça après. Pour ceux qui auraient un peu peur. Voilà, vous avez vu. Bref, voilà, je vais regarder au sol pour ceux qui ont un peu peur. Alors déjà, pour ceux qui sont assez sensibles pour des objets, admettons, enfin, qui auraient peur pour certains trucs, ne regardez pas trop cette vidéo parce que c'est quand même un jeu d'horreur assez important. Donc, faut quand même le comprendre. C'est pour ça que je... Voilà. On va entrer. Je vais vous expliquer ça. Alors, on va commencer. Alors, déjà, le jeu, je l'ai déjà fini. Pour une fois, mais je vais essayer de le faire avec vous. Alors, voilà. J'ai les deux manettes, les deux moves dans mes mains. Voilà, j'ai les deux moves. Je vais recommencer le niveau avec vous. Alors, il y a des moments où ça pourra peut-être me faire peur. D'autres moments, un peu moins, parce qu'il y a des endroits où je suis pas passé. Ou des endroits où je suis déjà passé. Mais bref. Je vais le faire. Je vais pas essayer de le faire en mode. Alors, vas-y. Alors, on va faire. Alors. Alors, ça, c'est le. Ouais, ça, c'est le premier niveau. Voilà, et je vais. Alors c'est sûr. Infernal et fou. Ivy. Je ne vais pas le faire parce que c'est quand même trop difficile. Déjà, même moi, en mode normal, j'ai trouvé que c'était vachement compliqué. Donc, je vais le faire en mode facile pour vous. Je vais le mettre dans. Je vais faire le jeu en mode facile avec vous. Donc, c'est pour ça que je vais. Je veux plus. Mode facile, c'est pas la. Le truc qui va te faire peur, c'est surtout, c'est pas, mettons, ce moment-là va te faire moins peur. C'est, y a des ennemis et ils vont être plus faciles à abattre. C'est pour ça qu'en mode facile, c'est quand même beaucoup mieux. Donc c'est parti, alors on est dans un chariot, on a des guns. On va commencer. Voilà. Alors avec le VR, hein, comme vous le savez. Derrière cette porte, votre dextérité et votre volonté seront mises à rude. Qui va décrocher le gros lot aujourd'hui? Visez les... Et toucher. Et essayer de rester. Alors moi je sais un peu tout, hein. Je connais un peu tout, donc c'est pour ça que je vais refaire le jeu avec vous. Je l'ai déjà fini en entier et j'ai bien aimé. Pour les personnes qui trouvent qu'il y a des trucs un peu gore, les trucs le sang ou fait peur, je conseille pas de regarder ce premier let's play avec moi. Donc c'est pour ça que je le conseille pas trop. Au revoir toi, bonjour tout le monde. Le départ va être assez simple, franchement c'est du bien. Voilà. Voilà. Pour ceux qui commencent et qui commencent à avoir peur ou trucs comme ça, je vous conseille de pas regarder le let's play. Mais pour ceux qui... À des moments, franchement, ça fait vraiment pas peur, ça peut faire sursauter. Je vous conseille pas de mettre à si vous avez un petit peu peur mais que vous supportez comme moi. Que vous pouvez avoir peur un petit peu. Je vous conseille de mettre pas trop le son fort. Alors pour l'instant il n'y a rien. Donc je vous assure qu'il n'y a rien pour l'instant. C'est le premier niveau où il te montre comment tirer. Je vais vous expliquer moi aussi qu'est-ce qui va se passer. On s'arrête, on repart. La routine habituelle. Alors stand de tir, on a les deux fusils. Moi j'ai les moves dans la main. Enfin les deux petits pompes. Et on va pouvoir tirer. Bah pour vous dire que moi... Alors moi c'est soit je tire, soit je charge. Je tire avec les gâchettes en dessous. Je recharge avec le PlayStation, enfin le marqué avec le M dessus. Soit je choisis de mettre le... Soit je choisis de faire le... En faisant la gâchette au-dessus, il y a le... Attention... Enfin, il y a en faisant un mouvement de haut en bas, ou en faisant ça avec les. Perso, je suis assez bien tiré.
un peu loin là. Ouais, c'est sûr qu'avec le... Alors, comme vous le savez, le jeu... enfin, le PlayStation VR est pas... donné quand même le prix. Mais c'est ce que je disais, c'est que le prix est quand même assez abordable pour un PlayStation VR, parce qu'on sait comme un Oculus Rift, 1 200 €, je crois, un Oculus Rift. Alors pour l'instant, on est qu'avec des petits... C'est juste pour vous montrer. Alors tous ceux que les cibles, où il y a un espèce de triangle, enfin un espèce de... Oh, peut-être que j'ai vu un truc là-haut. Ouais, tous ceux qui ont l'espèce de cible là. Les gens venaient de très loin pour voir notre foire aux monstres mondialement célèbre. Tous ceux où il y a la cible là. Vous avez déjà entendu l'histoire du type coincé sur un carrousel sans pouvoir descendre. Tant les chevaux étaient bien huilés. Alors le mieux c'est de faire un maximum de points. Bon, pour l'instant c'est juste pour vous montrer un... Voilà, c'est qu'un échauffement, il te montre comment on fait. Perso, moi, je sais déjà, j'ai déjà tout fait. Perso, je connais un peu tout. Enfin, je connais tout même. Sauf, je connais mal les endroits où j'ai eu peur. Non, je vous jure, je vous promets, pas pour dire « Ouais, tu dis ça, mais c'est faux parce que t'as sûrement... tu t'en souviens aussi. » Alors, par contre... Il y a des moments où avec le PlayStation VR que ça peut vous donner la nausée, comme là on va être dans un manège. Très drôle, très drôle. Coucou. Peut donner la nausée ou se sentir pas très bien. Donc vous, si vous vous sentez déjà pas bien dans des manèges ou dans des trucs comme ça, c'est même pas la peine. Perso, moi j'ai pas trop les malaises dans des manèges ou trucs comme ça. Mais ça peut arriver, moi avec le PlayStation VR, ça m'est arrivé plusieurs fois. Avec le Until Dawn, pas maintenant parce que j'ai vraiment l'impression... Ouais, là, voilà, là ça peut vraiment donner un peu la nausée. Moi je vous conseille, si vous avez PlayStation VR avec ce jeu-là, je vous conseille que dès que... Voilà, il y a les petits nains à toucher. Pour ceux que ça peut... Voilà, faut vraiment se pencher et... Pour ceux que ça peut donner la nausée, je les conseille directement. Si vraiment à des moments... Coucou toi. Oh, t'es déjà le méchant. Coucou toi. Ah. Là par contre, ça va commencer. Eh, c'est parti, là on a les flingues pour de bon. Alors attends, il n'y en avait pas un de petit nain à toucher ici, c'était... Je crois qu'il y en a un sur la table là-haut. Je crois qu'on s'est trompé de chemin. Apparemment, nous avons atterri dans le vieux train fantôme. Soyez très, très prudents. Alors là, à partir de là, ça a commencé. Les monstres, les trucs comme ça. Dans la maison de poupée, ça par contre, celui-là, c'est celui-là que tout le monde se rappelle. Voilà. Putain, celui-là, je me rappelais plus, je vous promets. Par contre, le truc à faire, et jamais faire, c'est se retourner. Ouais, je suis vraiment dans un manège, voilà, avec tous les trucs. Même que j'ai déjà fait le jeu, qu'il a beau être en mode facile ou pas, ça peut quand même faire flipper, franchement, je vous jure. Pas pour l'instant, parce que c'est quand même assez... Voilà, quoi, c'est pas...
Voilà, c'est parti pour un nouveau let's play sur Until Dawn. Alors déjà, n'hésitez pas, si vous flippez déjà, à venir liker la vidéo. Oui, en fait, ça change, en fait. En mode facile et en mode normal, mode difficile. Ah oui, bah oui, ça change beaucoup. Alors, en fait, je crois que j'étais en infernal quand je l'ai fait. En fait, ouais, je crois que je me suis trompé. Je crois que quand j'ai fait le jeu normal, j'étais en mode infernal. Bah, en fait, je préfère le faire en mode facile. Mais je crois que j'étais en normal, peut-être. Oh, putain. Ouais, effectivement, j'étais en mode normal hein, tout à l'heure. Et c'est reparti. Il est où? Ah putain. Bon, j'avoue, en mode normal ou infernal. Moi j'avoue, je crois que c'était soit champ infernal. À l'arnaque, je suis pas passé là. Ok. Bon, le mieux c'est d'avoir de toucher un max de cibles. Oh, jamais regarder derrière soi. Le mieux c'est de rester plaqué contre son mur. Voilà, ça se rappelle. Attends, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Je m'en rappelle plus. Ah, oh mais t'as en live celui-là. Oh putain, je m'en rappelais plus. Oh. Repos, oh putain. Détente. Voilà. On respire. Ah putain. Oui bah il faut respirer là, putain. Bon voilà, déjà un niveau de fée. Oh putain! Oh, je me rappelais plus de celui-là. Voilà, vous avez déjà entendu mon cri. Voilà, c'est parti. Une fois dès le départ. Bon, c'est sûr qu'après, ça peut surprendre plus de personnes que d'autres, mais je me rappelais plus, puisque je l'ai fini quand même assez rapidement, le jeu. Et pas dans une façon... Bon, alors, j'ai fait combien? Normal, tu vois, je vais pas essayer de les faire en même temps, mais je vais faire au moins le let's play. Bon, bah, voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si ça vous a plu, si ça vous avait déjà fait peur, si ça vous a fait peur. C'est sûr que c'est une totale nouveauté pour ma chaîne de faire du VR. Et pour vous, je pense. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, faire de la pub à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, à vos n'importe qui, ceux que vous voulez. Jusqu'à temps que vous avez de la pub à faire, hein, voilà. Abonnez-vous, likez, mettez des commentaires.
Là, je les mets en mode facile, mais en fait, pour les prochains niveaux, je mettrai du normal. Parce que je crois que facile, c'est un peu trop facile. Bien sûr, je ferai pas du inferno, le truc, ça, c'est sûr. Je mettrai en mode normal, comme je l'ai fait pour le jeu. Et là, oui, je peux vous dire que c'est une petite difficulté, un peu plus de difficulté. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde et ciao, bye bye.